Je travaille dans l'équipe M2A, Métrologie de l'espace, Astrodynamique, Astrophysique, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Mes travaux de recherche portent de manière générale sur les systèmes de référence. En toute logique, pour se repérer, que ce soit dans le temps ou bien dans l'espace, il faut décider d'un ensemble de références par rapport auxquelles on se repérera. Dans mon domaine d'activité, plus particulièrement, le repère de référence terrestre est matérialisé par un ensemble de positions de stations sur la Terre. Celui-ci permet ainsi de se repérer à la surface terrestre et il a un rôle primordial, par exemple dans la technique GPS de positionnement global par satellite, utilisée de nos jours très régulièrement par tout un chacun. Pour le ciel aussi, nous construisons un repère de référence matérialisé par un ensemble de positions de quasars dans l'espace. Les quasars sont des objets quasi ponctuels, très lointains et considérés comme fixes dans l'univers. Par exemple, les sondes spatiales que nous envoyons à travers le système solaire peuvent naviguer grâce à ce repère céleste. Enfin, nous mesurons et modélisons au plus près de la réalité la rotation terrestre, qui permet d'effectuer la transformation entre ces deux repères. Étant donné que l'atmosphère et les océans perturbent la rotation de la Terre, de tels travaux peuvent donc permettre d'améliorer ces modèles géophysiques. Et la technique VLBI, dont je suis spécialiste, est actuellement la plus complète et la plus performante pour déterminer ces systèmes de référence. VLBI signifie interférométrie à très longue base. Cette technique est basée sur l'observation simultanée d'un quasar par un réseau de radiotélescopes sur Terre, qui peuvent être situés typiquement sur des continents différents. Et mon travail consiste notamment à planifier ce type d'observation, à les analyser, ainsi qu'à déterminer les produits des systèmes de référence qui nous intéressent.